Lisa. Bonjour les filles, bonjour à toutes, bonjour Babette. Bonjour. Ça fait plaisir. Avec ce beau soleil en plus, aujourd'hui, c'est fort agréable, Babette. C'est ça, c'est génial. Je suis très contente de vous retrouver et de vous présenter mon invité VIP. On a 5 minutes de retard et on prend le café. Excusez-nous, on n'a pas vu le temps passer. C'est ça. Moi, je suis ravie de partager ce bon moment qui va être chouette. Vous allez voir, c'est un super moment entre filles. Et puis de retrouver Babette, bien sûr. Alors, Fanfan est mon invité VIP. Fanfan, tu connais la marque depuis un certain temps? Oh là oui. Oui, au moins plus de 18 ans, depuis qu'on se connaît, Babette. C'est ça. Tu m'as fait connaître cette marque et depuis, je suis devenue fan. Et c'est vrai que je suis souvent à venir voir la collection, oui. À essayer, parce que moi, j'adore essayer tous les vêtements de Captain. Et oui, donc, je connais Fanfan depuis longtemps, puisque j'ai habillé ses enfants. Nos enfants sont devenus super amis. C'est ça. Nous sommes devenus des amis. C'est ça aussi. Voilà. Et nous sommes des sœurs jumelles aujourd'hui. Aujourd'hui, justement, on va vous montrer. On va avancer pour voir qui est présent. Nous avons Catherine, Nathalie, Jocelyne. Bonjour à toutes. Bonjour les filles. Regardez ce que l'on porte aujourd'hui. Et je vais laisser, raconter ta tenue déjà, je te regarde de loin, moi je m'installe, à toi la parole. Alors je vous montre déjà, voilà. Donc j'ai une petite veste de couleur lavande, qui se porte comme une veste en jean en fait, qui est très très bien. Vous avez des boutons sur le côté, vous avez également de quoi resserrer au niveau de la taille, si vous voulez un peu plus serré sur le derrière, sinon vous pouvez aussi le laisser un peu plus... plus vague, on va dire. Et ensuite, en enlevant... Est-ce que tu veux que j'enlève ma veste? Elle est top, ma veste. Il y a le soleil, on a envie d'être en t-shirt. Je vais te la tenir. Voilà. Mon vernis est sec, c'est bon. On y va. Donc voilà, je vous présente, j'ai un très 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 joli t-shirt avec des volants sur le côté. Avec comme couleur un peu de bleu, de blanc, de jaune. Donc qui met un peu de peps. Surtout en ce moment, on en a bien besoin. Et je le porte avec ce très joli pantalon. Alors franchement, on est confortable en stretch. Alors, on va raconter les tailles un petit peu. Le top, il lui faudrait une petite taille au-dessus pour une belle fluidité. C'est ça. Tu le portes en 36? En 36, tout à fait. Mais bon, je trouve que c'est un grand 36, hein, parce que moi, je fais un 38-40. Et voilà, bon, peut-être une taille au-dessus, mais bon, je me sens bien. Une taille au-dessus pour un beau décolleté. Et le pantalon, je le porte en taille 40. Non, 38. Ah, pardon. Parce qu'il y a beaucoup de stretch. Donc, j'ai l'impression d'avoir un 40. Mais franchement, oui, c'est vrai que c'est toi 40. Et donc, sur les poches, nous avons, je ne sais pas si vous voyez bien, une petite broderie qui fait très, très jolie, très féminin au niveau des poches, aussi bien derrière que devant. Et je porte également une ceinture de chez Captain. Alors, moi, j'ai toutes les ceintures. Elles existent en plusieurs couleurs. Et franchement, elle est très très bien, hein, Babette. Hein, je sais pas. Alors celle-ci, vous voyez, on a pointé les tenues. Celle-ci n'existe plus, les filles, mais on en a d'autres. Voilà. Dans cette couleur, elle n'existe plus. D'accord. Tu as bien fait de la prendre. Hein. J'ai bien fait de la prendre. Ah oui, je suis très contente. Eh bien, je vais te laisser changer ta nouvelle tenue. Je vais te présenter. À tout de suite, les filles. Voilà, prépare-toi. Donc, Emmanuel, tu fais coucou, Emmanuel. Voilà, je vois, il y a des filles qui connaissent Fanfan. Donc, voilà, elle portait la veste de Little Miss. Donc, elle l'a portée dans une taille S. Elle va jusqu'au M. Moi, je porte un M dans l'autre coloris. Donc, il y a coloris lavande et le coloris, donc, vous voyez, ivoire. C'est très bien parce que vous avez une blonde, une brune. Donc, vous voyez que c'est un ensemble qui peut aller donc vraiment à beaucoup de teints puisque nous sommes très différentes toutes les deux. Mais bronzées toutes les deux. Hein. Alors, moi, je porte le top. Je pourrais le porter en 42. Et là, je l'ai en 44. Donc, ce serait mieux en 42 pour qu'on ait un petit peu moins de largeur sur le côté. Voilà. En tout cas, ce qui est très agréable, c'est que vous voyez, on a cette partie ici qui fait qu'on ne voit pas le soutien-gorge. Un effet volonté. Des jeux de peau ici. Avec de la résille, le pantalon qui est très élastane. Donc moi je fais un 40,
42 selon les pantalons. Celui-ci, je le porte en 40. Il est gainant et il prend bien les fesses. On se sent super bien dedans. Là, on se l'est joué sportswear avec des baskets. Il est long. Vous voyez, j'ai fait un revers. Quand il sera à moi, je ferai un petit ourlet. Donc, pour toutes les filles qui sont grandes, il est très intéressant parce qu'il y a de la longueur, les filles. Alors, je vois qu'elle est prête, notre Fanfan. Je disparais et je laisse la place à Fanfan. C'est ça, je suis prête, Babette. À toi. Tu peux aller te préparer. Donc, voilà, je vous montre un autre ensemble. Bon, j'ai gardé trop le belle. Même pantalon. Merci beaucoup. Donc, je m'avance. Je vous montre avec le joli foulard. Voilà, donc vous avez ce petit foulard qui va très très bien avec cette chemise brodée sur le côté, qui est magnifique. Franchement, je suis trop trop bien dedans. Elle fait aussi bien habillée que confortable. Vous voyez, je porte des baskets. Donc on peut très bien le porter comme ça. Donc je vais enlever mon foulard pour mieux vous montrer mon joli chemisier. Donc voilà, c'est donc sur le devant, donc vous avez un décolleté en V. Et donc des deux côtés, vous avez un joli imprimé. Voilà, c'est une matière franchement très très confortable. Et donc avec ce pantalon, je pense que c'est un bel ensemble. Ça va trop trop bien. Donc voilà, je fais coucou aux filles qui me voient. La Françoise, bonjour, coucou. Je suis ravie de vous retrouver. Et puis je crois que Babette va me rejoindre pour me montrer donc, cette jolie chemise d'un autre coloris. Et voilà, donc tu as dit bonjour aux copines. J'ai dit bonjour, j'ai t'as dit bonjour Françoise, aux copines. Des copines que je revois, ça me fait plaisir. Et bien tu vois, donc, un spectacle. Alors moi j'ai choisi, je suis un peu plus pulpeuse que Fanfan. Non, reste encore je un petit encore, peu. D'accord, je regardez, on va se mettre de dos. Voilà, on montre la, de dos, de profil. Regardez cette belle manche, de dos. Voilà, je lui range sa petite étiquette oh, au oui, passage. Donc regardez comme dans le dos, c'est super joli. Et voilà, donc deux chemises très fluides, qui ont beau tombé et qui sont chics. Je te laisse effectivement échanger parce qu'on a prévu plein de tenues. Moi je porte la chemise, toi tu l'as portée en 40. Elle portait la chemise en 40 et moi ici je la porte en 44. 44 pour de la fluidité. 42 irait aussi, mais j'ai un peu de bidou, de la poitrine, enfin, et j'aime être confortable dans mes vêtements. C'est une chemise, vous voyez, qui est couleur pastèque, qui pourrait être très, très chic, donc pour, pour sortir, et vous la mettez, vous l'associez avec du blanc, vous la mettez avec des talons, donc très chic, mais elle peut aussi être sportswear, et vous voyez, et on va dans la couleur, on mélange le vert, le pastèque, dans la nature, vous voyez, c'est les couleurs se mélangent, et bien sur nous aussi. Notre Fanfan, on était en pantalon et en train d'enfiler une très très jolie robe. Alors comme elle n'est pas au courant, moi je vous le dis, la robe qu'elle enfile commence à disparaître. Si vous la voulez, il faut la commander maintenant et vous aurez une livraison à la fin du mois de mai, mais au moins vous êtes sûr de l'avoir. Et bien sûr, le règlement ne se fera qu'au mois de mai. Pareil pour les tuniques, les blouses, chemises, là que nous venons de vous montrer, à commander d'urgence pour essayer d'avoir encore votre taille. Donc là, je vais dégager une petite chaise parce qu'elle mérite une arrivée royale. Es-tu prête, ma chère Fanfan? Je cherchais juste le cardigan, mais bon, je vais te chercher le cardigan. Déjà, elle arrive avec son étole. Attends. Je m'en vais, je lui laisse l'arrivée. Merci, Babette. À tout de suite. Donc voilà, là je porte une très très jolie robe que vous pouvez associer avec, aussi bien avec des chaussures. Je vais d'abord défiler pour vous montrer. Ah oui, vous m'excusez les filles parce que j'ai attrapé un coup de soleil ce week-end. Donc c'est vrai que c'était peut-être pas le moment pour le défilé. Mais bon, c'est pas grave, c'est les aléas. Donc voilà, la robe, je vous la montre. Avec une petite étoile, donc elle fait aussi bien chic, habillée. Donc vous pouvez porter, donc moi j'ai mis des chaussures à talons. Mais vous pouvez également mettre des baskets si vous voulez être un peu plus confortable. On peut la porter aussi bien habillée que dans la vie de tous les jours. Et là, je porte avec une très très jolie étole de couleur verte avec un peu d'orangé, de poudré. Vous voyez, on peut la marier avec beaucoup de choses. Donc, elle est plus un rectangle qu'un carré. Donc, vous voyez, elle est assez. On peut la mettre aussi comme ça sur ses épaules. Hop,
quand vous avez un petit peu froid le soir. Et voilà, le tour est joué. Je ne sais pas ce que vous en pensez, hein, surtout n'hésitez pas à nous dire ce qui vous plaît un peu moins. Ça permettra aussi de voir ce que les filles aiment bien en ce moment. Donc voilà, Bette est en train de se préparer, donc ça va être bientôt son tour. Donc voilà, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Mis à part qu'elle est en bas. Très bien. J'ai une tenue de dépannage, je vous laisse trouver le cardigan. Très très bien. Si tu le trouves. C'est ça. Alors, me voici. Le pull est un petit peu grand. Hein, c'est une taille 4 et taille 3. C'est ce que je prends d'habitude sur ce genre de pull. Toujours pareil parce que j'aime la fluidité. Hein, donc tiens, je vois qu'il y a Maïté qui est là. Maïté, on est contente de t'avoir aussi parmi nous. Tu connais ce pull, tu connais ce pantalon, tu connais tout. Donc voilà, parce qu'en fait, on a un très joli cardigan qui va avec la robe. Il fallait vraiment qu'elle vous le trouve. Ça fait le total look. Donc moi, voilà, je ne fais que passer avec ce pull. Je vais revenir tout à l'heure dans une taille plus petite avec ce pull. Vous l'avez adoré. Il est sorti en bleu nuit. Il n'existe plus en bleu nuit. N'essayez pas de l'avoir, ce n'est plus possible. Le blanc, on se dépêche, c'est les pièces les plus vendues de la collection, c'est ce pull. Nid d'abeille, une douceur. Oh oui, un régal. Voilà, donc ça je pars très, très bien. Et je laisse la belle arrivée de François. Voilà, je cherchais justement. Merci Babette. Donc voilà, je voulais vous montrer également ce très joli cardigan qui va très très bien avec cette robe. Donc pareil, et puis avec les manches, vous voyez, qui ne sont pas vraiment fermées sur le bas, mais ça, on va dire que c'est un manche trois quarts. Donc voilà, ça permet d'avoir un petit gilet pour le soir ou même la journée s'il fait un peu plus frisquet. Donc voilà, elle est très jolie en kaki. Bon, en tout cas, je l'adore. C'est vraiment une belle robe, aussi bien habillée que voilà, pour mettre un peu tous les jours. Donc, et puis on a ce très joli foulard, donc on peut associer avec. Voilà. Donc je pense à celles qui ont en ce moment peut-être des cérémonies, des baptêmes, des mariages, ça peut le faire. Alors j'arrive, on va passer dans la fluidité. Oui, fluidité, voilà, tout à fait. Prends le temps de te changer. Merci Babette. Ça va tellement vite les filles. Je vais changer de pantalon moi aussi, ne vous inquiétez pas. Mais vous savez que j'avais fait une petite vidéo, j'ai des cheveux partout là. Voilà, j'avais fait une petite vidéo où je vous montrais tout ce qu'elle est avec le pantalon vert. Là, vous voyez, c'est dans la vraie vie. J'ai le sweat en taille 1 de la collection. Perso, je le porte en taille 3. Donc, dans la robe que portait Fanfan, elle portait une taille 40 et elle portait le cardigan en S. Voilà, je suis toute essoufflée. Ce sweat, il a des écritures qui brillent. Il a un côté un petit peu américain, très sympa. Donc, si vous êtes bien faites, les filles, à porter un peu près du corps. Sinon, à porter dans la fluidité. Vous avez plein de couleurs. Donc, vous allez voir qu'il va avec beaucoup de choses. Et donc, c'est vraiment une tenue que j'aime beaucoup, qui est confort, qui est cocooning. Et selon les chaussures que vous allez mettre, vous allez être rock, vous allez être cool, vous allez être homewear. Vous allez en faire ce que vous voulez. Vous allez pouvoir l'associer avec plein de couleurs différentes. De l'ivoire, des verts tendres, des verts menthe, du terracotta, du rose, du framboise. Donc voilà le sweat. Donc la tenue que j'aime bien également. On est des méga rapides, Fanfan est déjà prête. Là, tu prends un petit peu ton temps parce que j'ai changé de pantalon. Ouais, donc Fanfan arrive, je la laisse arriver. Trop belle. Merci Babette. Donc voilà, là je porte un autre pantalon, je vous montre, je fais un peu le défilé. Comme il faut que je prenne un peu mon temps, donc enfin, le temps pour Babette. Donc voilà, donc là, comme je vous ai montré tout à l'heure, je porte le cardigan vert kaki qui allait bien avec la robe, qui va très bien aussi avec cet ensemble. Et donc je le porte avec ce très joli top. Donc c'est un top que je vais enlever, vous voyez, c'est un top à bretelles. Donc une matière un peu satinée. Et c'est vrai que cette année, ils ont fait beaucoup de vert kaki, vert lavande. Ça va beaucoup de teint. C'est vrai que aussi bien brune que blonde, comme la preuve. C'est pour ça qu'on vous montre les choses avec Babette. Et donc, je vais vous le décrire. Donc, sur le dessus, donc, il y a un peu de dentelle. Et derrière, voici comment il est derrière. Alors, je le porte avec ce très joli pantalon qui est très fluide et très confortable. Donc, et pareil, il y a une grosse ceinture au niveau de la taille.
Donc, pour se permettre de se sentir bien à l'aise. Et puis, bah, très large hein, à ce niveau-là. C'est vrai que c'est... Là, on est vraiment bien. C'est confortable. Donc, une matière pareille, un peu satinée. Il existe dans une autre couleur que vous verrez tout à l'heure. Parce que ma babette, elle l'a d'une autre couleur. Donc, un autre style différent. Bah, justement, là, voilà. Donc, je te laisse... Je la rejoins. Pour montrer, voilà, tout on à fait. On va vous montrer des tops différents qui vont avec ces pantalons qui sont tout en fluidité. Et il y a des poches. C'est vrai, je n'ai pas dit qu'il y a des poches. Qu'il y a des poches pour celles voilà. Qui aiment avoir des poches. Alors, Fanfan, j'adore parce qu'elle a lancé une nouvelle mode. Le petit top, vous voyez, elle se l'est porté de façon sage. Ça, ma Fanfan, normalement, c'est le dos. Bon, bah, c'est pas grave. Eh ben écoute, c'est pas mal. Voilà, c'est pas mal c'est aussi pas mal de ce côté. Dessous. Mais toi, de toute façon, Babette, je sais que t'aimes bien mettre les choses, les gilets à l'envers, ouais. Tout ça. Donc, tu vois, je pense que je déteins peut-être sur non, toi, on va savoir. Je, c'est ça. J'essaye de faire un peu comme toi. Exactement. Donc, voilà, bah, je te laisse montrer. Voilà, on va mettre notre petit haut ou dans l'autre sens, enfin, ce qu'on a prévu. Donc, vous voyez, j'ai gardé le sweat parce qu'on a prévu de vous montrer tellement de tenues que ça va vite. Et donc, vous voyez ce sweat, eh bien, ce qui est intéressant, c'est qu'avec des pantalons un petit peu fluides comme ceci, d'avoir quelque chose pas trop large en haut, sinon vous prenez en volume. Mais c'est tellement confort. Et si, comme moi, vous avez le buste un peu plus long que les jambes, ça, c'est des astuces mode et morpho, eh bien, vous voyez, je me suis mis une chaussure plateforme qui fait que ça va allonger un petit peu la jambe. Parce que si je suis à plat, eh bien, ça va tout de suite me tasser. Ça, c'est par rapport à ma morpho, à moi. Je vais vous montrer d'autres hauts qui vont avec ce pantalon fluide. Je respire. Et Fanfan arrive aussi avec, vous un allez voir, haut. Je ne dis rien. Et moi, je le porte en 42, le pantalon, et toi moi, c'est en 40, je crois. Oui, il me semble que c'est en 40. Donc, voilà, bah, Babette, vous précisez par rapport aux chaussures, c'est vrai que quand on veut être un peu plus grande, parce que c'est vrai que bah, en bas, c'est un peu plus plat, on va dire. Donc, elle a mis des talons pour être un peu plus haute au niveau du pantalon. Moi, c'est un peu plus plat que Babette, parce que je suis peut-être un peu plus grande, je ne sais pas. Mais voilà, il y a plusieurs styles, plusieurs façons de porter ce pantalon. Là, je le porte donc avec ce joli, très joli t-shirt également, qui est un peu de couleur qui, du pantalon. Il y a un peu de vert dedans, du bleu, du rose. Alors, vous avez vu, vous avez un joli petit nœud sur le côté au niveau de l'épaule. Donc, à commander d'urgence, me précise Babette, car je pense que les stocks commencent à diminuer. Donc, donc c'est comme un t-shirt, c'est franchement la matière est très très agréable. Et donc vous pouvez le porter aussi bien avec ce pantalon qu'avec un jean, un pantalon blanc. Enfin voilà, vous avez plusieurs styles de pantalons. Donc voilà, que vous dire d'autre? Je pense que Babette vous a précisé au niveau de la matière. Très agréable et une matière un peu satinée. Je ne peux plus vous dire la matière parce que je ne sais plus. Mais Babette arrive avec, pareil, une belle étole. Vous allez voir, je laisse la parole à Babette. Alors, donc là, je vous ai mis le pull, je passe en taille 1 pour qu'il soit un petit peu ajusté et qu'on ait toute la belle fluidité dans ce pantalon, pantalon presque jupe. Et c'est du pur polyester, les filles. Je rappelle, quand vous les recevez, ils sont dans du sachet plastique. Et quand vous les enfilez donc sur vous, souvent ça fait de l'électricité statique. Et donc vous dites, oh là là, non, je ne le veux pas. Surtout, dépassez ce souci-là parce qu'il y a une solution. Un, vous crémez les jambes si ça vous arrive. Deux, vous prenez Elnette de L'Oréal, et je fais de la pub parce que vous le valez bien, et vous faites un petit pchit de partout sur le pantalon. Ou alors, troisième solution très économique, vous faites un petit coup de pchit pchit d'eau, et ça enlève l'électricité statique. Et si malgré tout cela, vous voulez une solution un petit peu plus coûteuse, il existe des bombes anti-électricité statique. Je peux vous donner la référence. Et voilà, donc, avec toujours, cette tenue, vous pouvez mélanger donc le blanc, le terracotta, du coup la couleur foncée est en bas, et c'est très intéressant d'avoir une étole ou un sautoir qui donne une ligne verticale
qui élance la silhouette normalement et qui fait le lien entre le haut et le bas, puisque vous voyez dans cette étole, on retrouve du noir, du terracotta et de l'ivoire. J'espère qu'elles aiment bien. Donc, notre fanfan va arriver. Je fais la déco dans le paysage. Parce que j'étais en train de mettre le pantalon. Elle a mis le pantalon. Donc, prends ton temps, que moi aussi, voilà, je vais me changer. Va te changer. Donc, voilà, j'ai changé du tout au tout. Je passe du vert au bleu. Voilà, pour celles qui n'aiment moins le vert, voilà. Il y a du bleu aussi. Il en faut pour tous les goûts. Et moi, c'est mon coup de cœur du moment avec ce très joli. Alors, déjà, je vais vous montrer la belle étole que je porte. Donc, qui est un carré cette fois-ci. Donc, vous avez un petit peu de bleu marine. Vous avez de nouveau du kaki. Il y a beaucoup de kaki cet été. Et un petit peu de rosé dessus. Donc voilà, je porte ce très joli top qui est magnifique. Je me rapproche pour vous montrer un peu plus les détails. Donc voilà, vous avez des petits boutons sur le côté. Enfin, des boutons, c'est pas vraiment des boutons, c'est des petits trous, on va dire, sur le devant, avec des petites bretelles fines au niveau des épaules. Donc je vous montre un peu le derrière. Et pareil, qui est très très agréable à porter. Et je le porte avec ce magnifique pantalon. Donc c'est mon coup de cœur du moment, cet ensemble. Donc voilà, là je l'ai laissé tendu, vous pouvez le retrousser au niveau du bas, mettre des baskets, si vous voulez être un peu plus confortable. Donc je pense que ça peut être une belle tenue là pour cet été, donc pour celles qui aiment bien le bleu, blanc, voilà, c'est une tenue qui va bien je pense pour toutes les femmes. Merci beaucoup, oui, magnifique, c'est l'étole bleue, ah oui, très très beau, très très chouette, je l'aime beaucoup. Je regarde un petit peu les messages, parce que c'est vrai qu'on parle, mais on ne voit pas forcément estival, c'est chouette. Oui, justement, avec Babette, on a prévu de vous montrer un peu plus de vêtements pour cet été aussi, parce que bon, c'est vrai que le soleil arrive et on a vraiment toute envie de passer du printemps et arriver à l'été. Donc, j'attends que Babette se prépare, mais elle va être magnifique. Vous allez voir, c'est très, très beau ce qu'elle porte. Donc, je laisse place à Babette. Oh là là, t'es magnifique, Babette. Tu m'aimes bien comme ça? Tu sais, t'es toujours aussi belle. Hein. Franchement, je vous laisse place à Babette pour la suite. À tout de suite. Je ne vous dis pas comment s'amusent les filles. Ça, c'est génial. Hein, donc, si vous êtes cliente VIP chez Captain, demandez-nous déjà ce que c'est. Et les clientes VIP, eh bien, on peut vous proposer un moment mode comme ça, en binôme, avec votre conseillère. Et puis, ça peut être à distance. Ça peut être comme ça, on prend rendez-vous et puis on s'amuse. Alors, donc là, je vous ai mis toujours ce pantalon blanc super élastane. C'est le pantalon entrée de poche clouté qui est très, très souple, rempli d'élastane. Et je vais pousser la chaise un petit peu. Et donc, on se sent très, très bien dedans. Et je vous ai mis une blouse satinée. Donc là, je la porte en taille L. Le M me suffit. Du coup, j'ai un petit peu moins de volume ici et ici. Et ça sera encore plus joli au niveau de la silhouette. Là, j'ai un L sur moi. Sautoir offert toujours par ma Miss Aurélie de l'équipe. J'ai beaucoup de collègues qui m'offrent des sautoirs. Je ne sais pas pourquoi, hein, parce que j'adore ça. Et là, pareil, chaussures très habillées. Et vous pouvez aller en cérémonie, en soirée cocktail, en ce que vous voulez. Et puis, quand vous mettez des baskets, eh bien, voilà, vous avez une tenue un peu waouh et cool, où vous êtes bien dedans. Donc, voilà comment ça taille. J'ai des dessous noirs, donc c'est pas ce qui est conseillé. On les voit mes dessous là, sous le pantalon? Non, on voit pas. Donc vous voyez, et pourtant je porte du blanc. Sinon l'astuce idéale, ce sont les dessous chairs. Et quoi donc? Les dessous chairs ou rouges. Je vois Isabelle qui me pose une question. En quelle taille portez-vous le pantalon? Je le porte en 42. Voilà, hein, donc le pantalon est 42. Tout à l'heure, je ne sais pas si elle l'a dit, mais Fanfan portait le pantalon bleu nuit en taille 40. Il ne taille pas très grand. Elle est plutôt en 38, mais l'autre, il fallait le prendre avec la petite ceinture qui brille. Voilà, tu es prête, ma Fanfan? Bah, écoute, je suis prête pour montrer un autre toute ensemble. Toute belle. Écoute, comme on est en veste chic, j'ai sorti cette petite veste un peu chic. Tu es trop belle. Merci beaucoup, ma Babette. Donc, voilà, je voulais montrer. Donc, l'étole, on l'a vu tout à l'heure. Donc, je l'ai remise avec cet ensemble. Donc, j'ai toujours le même pantalon que tout à l'heure,
Donc là, je l'ai retroussée, puis j'ai mis des baskets pour vous montrer qu'avec une veste même chic, on peut être aussi, on peut le mettre tous les jours. Ça peut faire un peu plus confortable. Donc là, l'étole, je ne vous la remonte pas parce que c'est la même que tout à l'heure. Et je voulais surtout vous montrer donc, cette jolie veste avec des strass un petit peu partout. Vous voyez, au niveau du col, au niveau, là, de, au niveau de, du début de la veste. Les manches, bon là, on, je les ai retroussées, mais on peut les laisser grandes si vous préférez. Voilà, donc c'est une très belle veste de cérémonie donc, pour cet été, pour les mariages, les baptêmes, enfin tout ce qui va arriver là. Mais ça peut aussi être une veste de tous les jours, hein, les filles. Hein. Y a pas, on ne peut pas avoir qu'une veste pour les cérémonies, on peut l'utiliser aussi pour tous les jours ou pour aller travailler. Très bel ensemble, c'est vrai. Ah, le pantalon blanc de Babette, oui, c'était un très très beau pantalon. Et donc là, j'ai gardé le même pantalon, je vais vous montrer ce que je porte en dessous. J'ai gardé le même pantalon que tout à l'heure. Et je l'ai associé donc avec ce très très joli t-shirt. Le top, je le porte en 38. Donc c'est un top en 38 et le bas, c'est un 40. Le pantalon, ça que j'ai oublié de vous dire la taille tout à l'heure, c'est un taille 40. Qui taille un peu petit, mais bon, pour moi, ça va. C'est un bon 40, on va dire. Donc voilà. Et ce très joli t-shirt aussi, c'est un coup de cœur. Vous voyez, au niveau des manches... Vous avez légèrement, vous avez de la dentelle avec, vous voyez, des petites fleurs dessus. Donc, très jolie là pour mettre en ce moment. Et donc, qui est rayé. Puis moi, comme vous connaissez, certaines qui me connaissent, moi, je suis très marin, donc très ligne, voilà, et bleu marine. Donc, forcément, il fallait que je me l'achète. Donc, voilà. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, j'adore. Et puis, bah, je vais vous laisser la place. Je vais ajouter un petit truc. Ouais, voilà, remets la veste. Au niveau de la veste. Je reste de dos. Oui, tout à fait. Tu es prête? Je suis prête. Vas-y. Et nous voilà, voilà. Donc, de face, voilà. Toutes les deux, avec la veste. On prend la pause, on pense à autre chose, etc. Je précise, sous son t-shirt, Fanfan porte un soutien-gorge couleur chair. Oui, tout à fait, Babette. Parce voilà. Que c'est vrai que quand on a du blanc, généralement... Ah bien, on va voir sur moi. Bah, on voit peut-être au niveau là, mais bon, c'est très, très léger. Mais c'est vrai que c'est couleur pause, donc c'est vrai que c'est plus joli à mettre avec. On verrait sinon le soutien-gorge à travers. Très bel ensemble pour ce pantalon blanc. Les deux sœurs, Maïlys, coucou. Ah oui, Maïlys une brune, une blonde. Ouais. Je te laisse te très changer. Bien, à tout de suite. Donc, je porte la même veste que Fanfan. Mets-la moi sur un petit côté, oui, cette veste, comme ça, ici. Comme ça, je vais vous montrer aussi avec le blanc, une blonde, une brune, parce que ça va aussi bien aux deux. Là, je vous l'ai mis couleur sable. Toujours avec cette pluie de diams. Donc, on peut être tout en sable. C'est très joli aussi. Là, je vais garder le pantalon blanc pour une histoire pratique. Et je vous ai mis le t-shirt rayé. Donc, voilà pour la veste. Hein. C'est une veste qui est très, très classe. Avec un jean aussi, vous pouvez être très cool. Et juste une veste qui a un peu d'allure. Donc, je tombe la veste. Et là, vous allez découvrir ce que ça donne avec des dessous noirs sous le t-shirt. C'est pas terrible. C'est pas terrible. Mais ça vous permet... Donc là, je l'ai en taille 4. Taille 3 suffirait. Vous voyez, du coup, ça dessinerait un petit peu plus la silhouette. Là, si on a des rayures larges et trop larges, ça tasse un petit peu. Mais bon, je voulais vous le montrer quand même. On peut jouer donc sur les tailles selon votre morpho. Toujours cet effet dentelle. Le fait qu'on ait la manche papillon sans voir le soutien-gorge. Et qu'est-ce qu'elle nous dit, Corinne? Le dynamisme. Punaise, oui, je suis en énergie. Hein. Avec Fanfan, je ne vous dis pas. Quand j'ai fait avec Carole, déjà, on était en belle énergie. Mais alors avec Fanfan, ça y va. Et je vais vous le mettre donc avec la veste blanche. Vous pourriez avoir un petit caraco, la blouse satinée que j'avais tout à l'heure. Donc j'ai piqué la veste à Fanfan. Et voilà, donc avec la veste blanche. Alors c'est pas blanc, c'est ivoire. Hein, c'est blanc avec une toute petite touche d'ivoire. Regardez, quand on est un peu bronzé, on a un effet de rayure mais qui est très très léger. Voilà, moi je l'aime beaucoup en blanc aussi, je préfère même sur moi en blanc qu'en sable, parce qu'il y a des beiges qui vont mieux que d'autres, et vous pouvez faire le total look blanc et des pompes de couleur, des talons, des baskets de couleur, un jean, et avoir cette belle veste.
Fanfan, tu es prête? Je suis prête. Je vais venir t'aider deux petites secondes. Je lui noue. Je reste à la caméra, mais toi, tu ne te vois pas. D'accord. Hop, c'est mystère. Vous allez voir, on change d'ambiance. On part en jungle. Et me revoilà où? Voilà les filles, voilà, on change complètement de décor, complètement de... Donc là, c'est un look un peu plus festif, un peu plus, on va dire, vacances. Ça fait penser un peu aux vacances. Donc, c'est une combinaison que je porte. Donc voilà, qui est très colorée. Donc, j'ai même mis les lunettes pour montrer que pour les vacances, c'est top. Donc, je porte ce petit pull couleur moutarde. Bon, là, il est en taille 4. Alors, c'est vrai qu'il est très, très grand pour moi. Mais voilà, pour vous montrer qu'on peut l'associer avec cette belle combinaison. Donc, vous avez vu, comme je vous ai dit, il y a beaucoup de couleurs. Donc, si bien du jaune, du rouge, du bleu, on peut l'associer avec beaucoup de choses. Donc là, je l'associe avec une ceinture. Donc, pour faire un peu plus classe, on va dire. Donc, il y a des poches sur le côté. Donc, comme je suis grande, c'est vrai qu'elle me va vraiment jusqu'en bas. Je ne sais pas si vous voyez bien, j'ai mis mes baskets. Donc, je pense que c'est un 40 que je porte, Babette. C'est une taille 1. C'est une taille 1. Donc, ça associe un peu à du 38, 36-38. Mais vous voyez, pour moi, elle me va. Elle est, sa taille est assez grand quand même. Donc là, j'ai une ceinture, vous voyez, que je peux enlever. Elles sont très, très belles, ces ceintures. Donc, voilà, qu'on peut associer et qui s'accroche, vous voyez, par un petit bouton sur l'autre côté. Donc, je trouve qu'avec... Et en plus, Babette me signale que les ceintures sont en voie de disparition. Donc, si vous la voulez, c'est tout de suite. Donc, voilà, il y en a une qui me met. Brigitte, bonjour. Oui, très, très chouette ensemble. Franchement, moi, je ne m'attendais pas du tout parce que je ne suis pas du tout dans ces tons-là. Et quand je l'ai essayé, c'est vrai que c'est des couleurs qui me vont bien. J'aurais pas pensé, hein, parce que c'est pas du tout le style. Moi, les combinaisons, je suis pas trop... Voilà, c'est pas trop mon truc. Chacune a... Mais c'est vrai qu'une fois que je l'ai essayé, et je vous ai montré le dos, je ne sais plus si je vous ai montré le dos. Donc, c'est pour ça que Babette m'a aidée, parce que c'est vrai que, bon, j'ai eu du mal à le mettre. Mais bon, voilà, après, on s'y fait. Et franchement, on est bien à l'aise. Hein. C'est une matière qui est très, très agréable à porter. Donc, là, pour maintenant, c'est très bien, hein, plus avec ce temps. Bon, j'espère que le soleil va revenir, parce que j'ai l'impression qu'il se cache. Donc, voilà pour ma part. Donc, je vais essayer quand même de vous mettre, le temps que Babette finisse de se préparer, le pull pour voir ce que ça... Parce que c'est vrai que c'est toujours mieux, les vêtements portés. Parce que des fois, on ne se rend pas vraiment compte... Donc voilà, pour essayer de vous détailler un peu ce petit pull. Donc vous voyez, il y a un petit peu d'aération et un petit peu... C'est un taille 4. Oui, c'est pour ça que je l'avais mis sur mes épaules, mais c'est aussi pour montrer un peu ce que ça fait sur... voilà, donc couleur moutarde. Ça va trop bien. Je viens te rejoindre. Oh, mais tu es si belle. Nous sommes dans les combinaisons. Nous sommes dans l'esprit, voilà, jungle, vacances. C'est ça, vacances. On oublie tout. Oh, bah, c'est clair. Hein, et si on partait en vacances, ma Babette? Vous voyez, elle a dû travailler son bronzage spécial pour aujourd'hui. Ah oui, non, mais j'ai même pris un coup de soleil, mais bon, c'est pas grave. Donc, je te remercie. Je passe à la suite. Je te laisse. À tout de suite. À la prochaine ensemble. Alors, je sais pas si j'ai bien fermé mes pressions et tout ça. Donc voilà. Moi, c'est rare que vous me voyez en combi. Je suis sur une taille 42. C'est une combi qui est très, très bien coupée. Donc, on se sent bien dedans, on enfile la combi, les filles, on est déjà en vacances. J'ai mis le même pull que Fanfan, donc dans les tons de blanc. Donc là, c'est une taille 2. Donc, je vais peut-être vous l'enfiler après, je vais faire comme toi, hein, je te copie. Voilà, c'est ça. Voilà, j'espère qu'il n'y a personne qui passe dans la rue, parce que je vous dis pas, on a un gros bordel et on se déshabille de partout. Je vais enlever la veste. C'était pour vous montrer, vous voyez, les couleurs de la combi. Donc, ça va très bien aussi avec cette petite veste, donc lavande de chez Little Miss, mais du blanc. Top le blouson, j'ai passé la journée dedans hier. Eh bien, tu vois, il te faut la combi maintenant, Maëlys, qui va avec. Donc, je tombe la veste. Et vous voyez, il y a des couleurs comme ça, il faut les essayer. Hop, j'essaie de ne pas mettre par terre quand même. Il faut les essayer pour voir au teint ce que ça donne. Et franchement, très agréable. Vous avez un beau décolleté pour celles qui ont besoin d'un col V. Alors, il y a un bouton ici, une pression ici. Là, c'est un peu aéré. Donc, soit vous montrez votre petit bidou dans le mouvement, soit moi, ce que je vais faire, vous voyez, je vais faire un petit point de couture supplémentaire
pour tout sécuriser. Hein. Cette combinaison a de très belles couleurs. Oui, franchement, au niveau graphisme chez Captain, on a des graphistes tip-top qui... Et ce sont des modèles uniques. Hein. Vous ne les retrouvez pas dans d'autres boutiques. Hein. On a nos graphistes maison. Je vais vous enfiler le pull sans toucher avec le rouge à lèvres parce que sinon c'est mort. Hop là, alors moi je suis plutôt colvée au niveau des pulls, c'est un goût personnel. Et quand on a un petit coup, c'est bien d'avoir de belles ouvertures au niveau... Mais c'est pour vous montrer, vous voyez le jeu des transparences. Vous pouvez aussi, si vous avez une taille fine, ceinturer, jouer avec le pull, ajouter un chèche. On peut se remettre, s'il fait froid, du multicouche si on va en Bretagne. Alors là, c'est les Bretonnes qui nous écoutent, elles vont dire... Il y a les quatre saisons en Bretagne tous les jours. Donc, vous pouvez faire aussi un nœud au pull. Vous pouvez faire plein, plein de choses. Tu es prête ? J'ai pas mis mes chaussures, mais bon. Elle cherche ses chaussures. Donc, des fois, ça vaut le coup d'attendre un tout petit peu. Parce que quand vous attendez un petit peu, vous avez vraiment le total look. Et moi, vous voyez, un pull colvé serait mieux avec cette combi. Vous allez voir... Elle est dans une ambiance, de folie, ne bouge pas, parce que je veux qu'elle arrive seule, sans moi. On est dans une ambiance totalement différente. On revient et on termine avec deux tenues à peu près vermantes. Et vous l'avez vu sur Carole, je vous renvoie à tous nos live shopping ou flash mode parce que ce sont des ambiances totalement différentes. Donc là, vous allez voir qu'on n'est pas dans du blanc ivoire, mais on a mélangé l'ivoire avec de la menthe et des surfanfans. C'est à tomber. À toi la place. Merci beaucoup Babette, c'est gentil à toi. Donc je vous montre un autre style les filles, voilà, qui change un peu tout quoi. C'est un peu du fun, un peu, on va dire, un peu jeune, rester jeune en même temps. Je voulais vous montrer parce que j'adore les casquettes l'été. C'est vrai, quand il y a le soleil qui cogne, quand on est en plein soleil, c'est vrai qu'on apprécie d'avoir la casquette. Donc voilà, chez Captain, ils ont une très très jolie casquette qui est dans les tons beige, donc ça peut toujours être aussi un achat. On pense jamais à acheter les accessoires, mais c'est vrai que c'est très très bien pour l'idéal pour l'été. Donc voilà, je porte donc cette très jolie veste, donc une veste sans manches. Je pense que vous l'avez déjà vu certainement dans d'autres flash mode. Donc là, je vous le montre avec une autre chemise. Donc il y a des liens sur le côté. Donc on peut l'attacher aussi bien dans le dos. Voilà, je vous montre un peu comment on peut mettre cette veste. Voilà, pour resserrer un petit peu au niveau du derrière. Donc je vais vous l'enlever pour vous montrer parce que bon, il y a eu beaucoup de superpositions. Hein. Donc avec Babette, on a envisagé de mettre voilà, ces couleurs-là pour vous montrer également le pantalon qu'on avait du départ. Et on peut l'associer avec cette très jolie chemise couleur menthe. Et j'ai également un petit sautoir. Un petit sautoir, vous voyez, qui est magnifique. Je ne sais pas comment j'ai... Voilà, dans ce sens-là, c'est mieux. Donc, vous avez également, donc, vous voyez, du vert menthe, un peu de doré, de noir. Donc, vous pouvez l'associer, du coup, avec beaucoup de choses. Donc, cette jolie chemise que je porte, donc, comme vous pouvez voir, il y a des petites bandes sur le devant. Qui a un petit peu d'autres couleurs, un petit peu d'orange et de bleu marine, donc avec des boutons sur le devant. Et voilà, donc je vous montre un petit peu derrière. Et en dessous de cette chemise se cache encore autre chose que Babette a voulu que je porte. Alors c'est vrai qu'on a essayé de se trouver des styles un peu différents. Donc voilà, je vous montre également qu'on peut porter cette chemise avec un petit top beige en dessous, le petit collier, la casquette. Et là, vous êtes nickel pour l'été, avec des baskets et hop, en avant. Donc voilà, donc je vais enlever cette jolie chemise pour vous montrer effectivement le top que je porte, qui est très très agréable à porter. Je vais peut-être enlever la casquette pour vous montrer aussi qu'on peut la porter sans casquette. Donc voilà, et je peux remettre également... Si vous voulez pas mettre la chemise. Envoie la chemise, s'il te plaît. Je t'envoie la chemise, excusez-moi. Hop là. Que je peux mettre comme ceci. Voilà. On peut l'associer avec cette jolie veste.
Franchement, très très joli, parce qu'en même temps, bah, vous pouvez mettre avec n'importe quel pantalon. Bon, là, je le porte avec le vert, mais vous pouvez mettre très bien avec un autre pantalon, un jean, un pantalon noir, enfin, pas du noir. On a dit le noir, c'est plus pour l'hiver, mais l'été, ça fait du bien d'avoir un peu de couleur au niveau du bas. Donc voilà. Voilà ce que je peux dire sur cette veste. Alors oui, il y a le lien sur le côté, donc on peut attacher derrière. On peut aussi l'attacher devant, je pense. Bah, c'est vrai que j'ai pas eu le temps de tout voir. Devant, voilà. Et un petit bouton, hein, c'est vrai que j'ai pas dit. Il y a un petit bouton que vous pouvez attacher sur le devant. Je pense qu'elle est un peu grande. C'est peut-être pour ça qu'elle est un peu plus... Et je peux le nouer sur le devant également. Donc, je vais ressortir quand même le petit collier. Donc, voilà ce que je pouvais dire pour ce petit ensemble. Et derrière, je l'ai montré déjà tout à l'heure, mais je peux refaire. Ah oui, avec le bouton devant, peut-être pour ça. Voilà. Mais bon, c'est une grande taille. Alors, forcément, c'est un peu plus ample sur moi. C'est taille 2, oui, mais je vois que c'est un peu plus grand sur moi. Voilà. Donc voilà ce que je peux dire pour ce bel ensemble. Hein. C'est vrai que ça fait un chouette ensemble. Donc voilà, je vais laisser place à Babette. Rejoins, à moi, tu veux je venir te rejoins vers moi, parce qu'on est dans les mêmes harmonies de oui. couleurs. Vous voyez, hein. Les baskets aussi, t'as mis. Donc on a remis les pantalons verts. Elle est super sportive. Moi, c'est juste les baskets, c'est tout. Je te laisse mettre la jolie robe. Et ensuite, nous terminerons ensemble notre tenue Parfait, bah, du tout suite. Final. Restez jusqu'au bout, parce qu'au final, vous allez voir, on va porter la même tenue. Donc, j'ai piqué la chemise à Fanfan. Là, je porte une 40, alors que la mienne, que je n'ai pas retrouvée, est en 42. Le cardigan, c'est le même que le kaki que tout à l'heure. Il nous faut vraiment toujours un cardigan blanc dans son armoire. Et donc, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? J'ai mis un petit top que nous avons dans les essentiels. Moi, je le porte en taille 0 parce qu'il se détend pas mal si on le veut près du corps. Voilà, que vous dire d'autre? Donc, tout ça, vous voyez, ça se mélange bien ensemble. C'est la tenue, ben voilà, du quotidien. Selon le temps qu'il fait, eh bien, on peut enlever la veste. Et puis être voilà avec cette chemise. Alors cette chemise, c'est comme si on portait un petit foulard, parce que comme il y a ces motifs ici qui surprennent, ça fait deux lignes verticales, et donc ces deux lignes verticales, eh bien, elles sont là justement pour casser tout ce côté vermante et ivoire. Et quand on a un petit top en dessous, moi j'aime bien, parce que du coup on ferme juste deux boutons. Celles qui aiment des décolletés généreux, si vous laissez ouvert ici et ouvert là-haut, eh bien ça vous crée une taille. Hein, donc moi je suis en H, et le fait d'avoir un petit point de serrage ici, ça va vous recréer plus ou moins le 8 de Marilyn Monroe. Hein. On y croit les filles. Donc Fanfan va vous porter une robe où je la porte sur un autre live, qui est mon vrai, vrai coup de cœur. C'est une robe que je n'ai jamais vue en boutique à un prix vraiment très, très correct. Il va falloir qu'elle... Voilà, et je la prépare... Très bien, super. Et alors là, accrochez-vous, mettez les lunettes de soleil, parce que c'est ma star. C'est ma star du jour avec cette robe. Tu es prête? Je suis prête, je vais chercher mes lunettes. Elle met ses lunettes parce qu'elle se sent star. On est star dans cette robe. C'est ça. Me revoici donc du coup avec cette belle robe, donc bien colorée. C'est vrai, comme dit Babette, là, c'est vraiment la robe idéale pour ces beaux jours. Hein. Et puis, c'est vrai qu'on est à l'aise. C'est agréable. Donc, on peut la mettre aussi bien donc, pour une tenue d'été et également pour une cérémonie. Ça peut être joli avec une très jolie veste qui va avec. Ça le fait. Donc là, je la porte comme ceci avec une ceinture. Donc, on peut enlever et remettre. Vous voyez, j'ai fait le nœud sur le côté. Donc, voilà comment elle est. Sinon, si vous ne mettez pas la ceinture, elle fait un peu plus grande, vous voyez. C'est une taille 40, me signale Babette. Donc voilà, donc j'ai rajouté le fameux collier que j'avais tout à l'heure, le petit sautoir qui se marie très bien avec, vous voyez, avec cette tenue. Donc voilà, donc là j'ai mis mes tongs, mais vous pouvez le mettre avec des petits escarpins, ça peut faire aussi très habillé. Donc voilà, mais c'est vrai que vous partez même à la plage comme ça, c'est très bien, hein, c'est très très joli, hein, avec un petit maillot de bain en dessous. Qu'en penses-tu, ma Babette? Ah, je trouve que c'est... Et j'aurais pas pensé, tu vois, quand je l'ai essayé, je me suis dit, ça va pas être des couleurs, mais finalement, les couleurs me vont bien, finalement, ma Babette. Je ne pensais pas. Là, vous allez voir Babette dans une autre tenue qui est très très jolie aussi, que je dois mettre d'ailleurs. Et tu dois la mettre aussi, parce que nous allons faire le final. Bah, tout de suite, je vais vite me préparer.
Voilà, donc j'arrive dans une autre ambiance. Plus vous allez prendre de la couleur, vous allez avoir bonne mine, plus vous serez rayonnante dans cette tenue. Vous savez, il y a des jours où le moral n'est pas toujours au rendez-vous. Habillez-vous avec du peps et de la couleur et on vous dira « Ah, tu as bonne mine, tu as l'air en pleine forme. » Et donc Sylvie, elle aime bien. On a des oui, elle bronze doré, moi je bronze chocolat. Quoique en mangeant des carottes, les filles, vous arrivez à être un peu plus orangées. Hein, donc du coup, je mange melon, carottes, tomates, il paraît que ça marche. Hein. Le temps qu'elle vienne me rejoindre, eh bien vraiment, c'est super sympa d'avoir été au rendez-vous. Si vous êtes en replay, précisez-nous que vous êtes en replay. Vous allez retrouver ce live, ce flash mode, donc spécial Fanfan et Babette sur YouTube, sur LinkedIn, sur Insta. Invitez vos amis à nous rejoindre dans le club. Vous avez envie de fringues, eh bien demandez-nous le lien boutique et on vous l'enverra avec grand plaisir. Vous découvrirez les tarifs, les disponibilités. Vous pourrez créer votre liste d'envie pour la partager avec votre conseillère. Et nous, on ajustera les tailles parce qu'on sait comment ça taille. Que vous dire d'autre? Vous avez envie de vous amuser à la mode, où que vous soyez en France, l'inscription est gratuite. Je peux vous inscrire en 3 clics ou votre conseillère peut vous inscrire en 3 clics. Donc, et vous vous essayez et vous allez gagner des fringues, tout ce que l'on porte. On peut le gagner, on peut l'acheter à moindre coût, on peut gagner des sous, avoir des commissions, hein, donc ça arrondit ses fins de mois. Comme on pratique du sport, on pratique de la mode. Et on n'est pas des pros de la mode, mais bon, moi ça fait 23 ans, un petit peu, ça commence. Mais vous voyez, Fanfan, elle le gère aussi bien que moi. Voilà. T'es trop belle. Voilà, nous sommes belles, ma belle Babette. Hein, donc, vous voyez, Fanfan, comment tu as vécu ce petit moment? Ben, très agréable. En plus, ça fait plaisir de partager un bon moment. C'est un chouette moment, je trouve, à partager entre filles. Et puis, ben, ravie d'avoir pu essayer cette nouvelle collection parce que je ne l'avais pas encore vue jusqu'à maintenant. Et donc, je suis trop contente. Et vous voyez, je suis maligne. Je lui ai dit, viens défiler avec moi. Je pense qu'elle a eu un vrai coup de cœur pour quelques articles. Oui. Et donc, je regarde Isabelle. Merci beaucoup. Merci. Merci d'être au rendez-vous. Merci à vous toutes hein, et nous avoir supportées pendant une demi-heure ou pas. Non, je pense pas. Je pense que vous avez pris plaisir à regarder ces vêtements. Et c'est vrai qu'une fois portés, je trouve que c'est quand même mieux que dans un catalogue, Babette. Qu'en penses-tu? Eh bien, c'est pour ça qu'on fait des flash modes. Donc, quand vous êtes à proximité, on vous donne rendez-vous au showroom ou par chez vous. Quand vous êtes à distance, eh bien, vous voyez, le fait de vous le présenter comme ça, vous êtes plus en confiance. Et ensuite, ça, c'est nouveau de mon côté. Je fonctionne beaucoup aussi à la photo. Vous m'envoyez une photo de vous en pied et je vois votre morpho, je vois votre teint. Et on patauge des fois la première fois sur le pantalon et après, il n'y a aucun souci pour les amis. Vous pouvez faire confiance à Babette parce que franchement, c'est vrai qu'elle le trouve tout de suite, votre morphologie, elle voit tout de suite ce qui pourrait aller avec. Des fois, on pense qu'il y a peut-être un haut qui peut nous aller. Et puis une fois qu'on l'a essayé, c'est pas du tout ça. Par contre, on va prendre un autre t-shirt que franchement, Babette nous aura conseillé. Et finalement, ça nous va mieux. Comme la robe de tout à l'heure, la combinaison que jamais j'aurais pu essayer, cette combinaison. Donc, c'est pour ça qu'il faut toujours essayer la mode, les filles, c'est important. Et puis, ça fait plaisir à soi-même, ça nous redonne confiance en nous. Voilà, c'est ça. Et faisons plaisir. Je la laisse parler. Je pourrais en parler, mais c'est vrai que Babette, tu me connais. Et c'est vrai que là-dessus, il faut aussi prendre soin de nous. Parce qu'on pense toujours aux autres, mais il faut aussi prendre soin de soi. C'est important. Ça redonne confiance en nous. Oui. Et puis voilà, je suis trop contente en tout cas d'avoir passé ce petit moment. Bravo avec à vous. Toi. Bravo à vous les filles. Hein. J'espère que ces ensembles vous ont plu. Et puis bah, faites partager, comme disait Babette, cette petite vidéo. Et puis. Ben surtout, dites-nous ce qui vous a plu, moi aimé. Enfin, voilà, ça permet aussi de voir ce qui va bien ou pas. Voilà, voilà, et comme elle disait, prendre soin de soi, c'est très important. Si vous voulez prendre soin des autres, d'abord prenez soin de vous. Donc, on va rester sur ces paroles. On va lire tous vos messages. On va vous répondre. Et on vous embrasse. À bientôt, les filles. Ciao, ciao.